En attendant que cette souris ressorte, je vais vous raconter une histoire extrêmement touchante. Chaque fois que je la raconte, je me bouleverse moi-même. C'est que je suis un grand sensible. Delphine et Marinette revenaient de faire des commissions pour leurs parents. Il y avait dans leur cabas 3 morceaux de savon, un pain de sucre, une fraise de veau et pour 15 sous de clous de girofle. Qu'il est vilain. Oui, mais il a l'air gentil. Ça remplace? Ça ne remplace pas, mais ça ne fait rien. C'est un chien d'aveugle, mais il a perdu son aveugle. Mais non, c'est moi l'aveugle. Que c'est triste. Tu devrais prendre un homme pour te guider. Comment es-tu devenu aveugle? Voici. Mais dites-moi d'abord ce qu'il y a dans votre panier. Ça sent rudement bon. Non, non, raconte d'abord ton histoire. Oui. Je vous dirai qu'avant d'être aveugle moi-même, j'étais déjà au service d'un homme aveugle. Il me tenait au bout d'une longue ficelle pour que nous ayons tous les deux l'illusion de moins dépendre l'un de l'autre. Je le conduisais partout où les champs sont fleuris d'aubépines. Je lui indiquais les fermes où on risquait de nous donner à manger. Bref, je lui rendais toutes sortes de services. Sans parler du plaisir qu'il prenait à m'écouter. Je ne suis qu'un chien, c'est entendu. Mais parler fait toujours passer le temps. Tu parles aussi bien qu'une personne, chien. Et même mieux que monsieur le maire. Vous êtes bien aimable. Mon Dieu, que votre panier sent bon. Ah, qu'est-ce que je disais? Ah oui, mon maître. Je m'ingéniais à lui rendre la vie facile. Et pourtant... il n'était jamais content. Pour un oui, pour un non, il me donnait des coups de pied. Aussi, avant-hier, j'ai été bien surpris. Arrêtons le mur. Tu dois être fatigué. Puisqu'on s'arrête, si vous permettez, je vais profiter de cet arbre. Je t'en prie. J'aime bien, tu sais. Moi aussi, je vous aime bien. Je ferai n'importe quoi pour toi. Moi aussi. Alors, voudrais-tu prendre mon mal et devenir aveugle à ma place? Qu'est-ce que vous dites? Je te jure que tu seras le chien le plus heureux de ce monde. Je te guiderai comme tu m'as guidé. La vue, tu sais, ça ne fait pas tout le bonheur. Devenir aveugle à sa place? Mais il avait du tout pas ton maître. Tu lui as dit non, j'espère? Naturellement, je lui ai d'abord dit non. Mais il a beaucoup insisté. Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Ne m'abandonnez pas! Et voilà pourquoi je suis tout seul maintenant. Vous ne voudriez pas m'emmener? On aimerait. J'ai bien faim aussi. Qu'est-ce qui sent si bon dans votre panier? C'est une fraise de veau, mais c'est une commission que nous rapportons pour nos parents. Elle ne nous appartient pas. C'est bon, j'aime mieux ne plus y penser. Mais est-ce que vous m'emmenez au moins? Oui! Je me demande ce que vont dire les parents. Tu es content, chien? Très content. Avez-vous déjà un chien? Oui, mais il est malade en ce moment. Là, je ne serai bon à rien. On ne te recueille pas par intérêt? Vous êtes de bien gentilles petites filles et sûrement bien jolies aussi. Et vous devez également être très raisonnable pour qu'on vous ait confié une fraise de veau. Ne pense donc plus à cette fraise de veau! Je vais voir si on aperçoit les petites.
Voilà les petites qui rentrent en tirant un chien au bout d'une ficelle. Je n'aime pas beaucoup ça, moi. Bonjour les parents, on vous rapporte toutes les commissions. Les trois morceaux de savon, le pain de sucre, la frotte de veau et les clous du rentre. On vous rapporte aussi un chien. Je le sais déjà. Où l'avez-vous trouvé? Et pourquoi le ramenez-vous? C'était un pauvre chien aveugle qui paraissait très malheureux. Vous avez pourtant défendu d'adresser la parole à des étrangers. Je vous salue bien, madame et monsieur. Je comprends parfaitement qu'il n'y ait pas de place dans votre maison pour un chien aveugle. Et je vais reprendre mon chemin. Mais avant de partir, laissez-moi vous complimenter d'avoir des enfants si sages et si obéissantes. Tout à l'heure, j'avais très envie de la fraise de veau qu'elle vous rapportait. Eh bien, j'ai eu beau prendre l'air méchant, elles m'ont dit « La fraise de veau est pour nos parents, et ce qui appartient à nos parents n'est pas pour les chiens. » Moi, quand je rencontre deux petites filles aussi raisonnables et obéissantes, je ne pense plus à ma faim, et je me dis que leurs parents ont bien de la chance. Je n'ai pas à me plaindre. Ce sont de bonnes petites filles. Oui, je les grondais pour les mettre en garde contre les mauvaises rencontres, mais elles ont bien fait de vous ramener à la maison. Mais comment se fait-il que vous soyez aveugle et que vous alliez ainsi, seul, par les chemins? Venez par ici. Entrez donc. Alors le chien conta encore une fois son aventure. Les parents l'écoutaient avec intérêt et ne cachaient pas leur émotion. Quant à moi, j'étais entré au milieu du récit et n'en étais pas moins ému. Je n'aurais jamais cru ça d'un chien. Vous êtes le meilleur des chiens. Je ne peux que vous reprocher d'avoir été trop bon. Demeurez donc à la maison aussi longtemps qu'il vous plaira. Merci, maman ! Alors commença pour le chien une véritable vie de chat. Le maître lui construisit une niche luxueuse. On lui apportait ses repas, qui étaient toujours exquis. Naturellement, il prenait aussi de l'exercice. Les petites l'avaient promené dans la cour de la ferme en lui expliquant tout et en lui faisant tout sentir. Depuis, il s'y promenait seul aussi aisément que s'il avait vu clair. Les petites l'emmenaient aussi quand elles allaient au village ou cueillir des champignons. Elles lui expliquaient ce qu'elles voyaient. Bah, c'est vite, on voit rien. Oui, il y a un gros nuage qui ressemble à un fromage blanc et un autre gris qui ressemble au pâteur. Et le chien leur disait ce qu'il sentait. Je sens un crottin de cheval. Oh, on le sent aussi. Je sens aussi un lièvre. Je suis sûr que lui, vous ne le sentez pas. Et il riait presque tout le long du chemin. Il jouait à qui des trois irait le plus vite en marchant à cloche-pied. Mais c'était toujours le chien qui gagnait parce qu'il lui restait tout de même trois pattes. Moi, j'étais toujours un peu peiné de voir le chien s'en aller avec les petites. Heureusement, le soir, quand il revenait, nous bavardions tous les quatre. Nous avons fait une promenade bien intéressante. Mmh. Nous avons été chez le boucher. Mmh. J'ai demandé aux petites d'acheter un morceau de mou pour toi. Mmh. Pourtant, certains soirs, le chien semblait triste. Attends-moi ! Tu as l'air triste, chien. Je pense à mon ancien maître. Maintenant qu'il n'est plus aveugle et qu'il lui faut travailler pour gagner sa vie, je suis sûr qu'il regrette les beaux jours où il n'avait rien à faire que de se laisser guider par les chemins et d'attendre son pain de la charité des passants. Je suis même bien inquiet sur son sort, car je ne crois pas qu'il y ait au monde un homme plus paresseux. De te faire du souci pour un maître qui t'a abandonné. Il n'est pas bête. Il est bon. C'est la même chose. Ce sont les gens méchants qui disent ça. Et toi, au lieu de te moquer du chien, tu ferais mieux d'être bon aussi. Oui.
Et quand on joue avec toi, de ne pas nous griffer pour nous faire mettre au coin par nos parents. Comme tu as fait encore hier soir. Ce fut pour moi une cruelle révélation. Les petites me trouvaient méchant. Certes, il m'arrivait de griffer, mais c'était pour jouer. Je croyais être aussi bon que le chien et peut-être meilleur encore. Oui, mais à quoi bon être bon si tout le monde vous croit méchant? C'est alors que je décidai de frapper un grand coup et de donner une preuve éclatante de ma bonté. Le lendemain, après une nuit de réflexion, j'allai trouver le chien. Bonjour, chien. Bonjour, chat. On dirait que tu t'es levé de la mauvaise patte, hein? Le matin, quand j'ouvre les yeux, c'est toujours tout de même une mauvaise surprise de ne pas y voir clair. Justement, je suis ennuyé que tu ne vois pas clair. J'ai pensé que si tu voulais bien me donner ton mal, je pourrais devenir aveugle à ta place et faire pour toi ce que tu as fait pour ton maître. Chat, mais alors tu es bon. Il faut être aveugle pour en douter. Oh, pardon. Tu n'es pas bon, tu es excellent. Mais je ne peux pas accepter. Tu me ferais plaisir. Mais tu ne t'en rends pas compte. Toi, tu as besoin de tes yeux pour te rendre utile dans la maison. Moi, je suis un paresseux qui ne se plaît qu'à dormir au soleil et au coin du feu. Ma parole, j'ai presque toujours les yeux fermés. Bon, autant pour moi être aveugle. Bref, je parlais si bien que le chien finit par se rendre à ma prière. L'échange de vues se fit sans plus tarder et j'en fus tout de suite récompensé. Le chat est bon! Le chat est bon! Et moi, j'étais si heureux d'être bon que je ne voyais même pas que je ne voyais plus. Dès qu'il eut recouvré la vue, le chien n'eut plus une seconde. Il fallait qu'il avertisse quand un vagabond s'approchait. Il devait aussi accompagner les troupeaux. La nuit même, il ne pouvait dormir que d'un œil, toujours à cause des vagabonds et également des renards qui rôdaient autour du poulailler. Quant à moi, il me disait souvent sa reconnaissance, mais n'avait pas le temps de me la prouver. Simplement, de temps en temps, il me faisait faire un tour sur son dos. Et si les petites me prenaient bien encore sur leurs genoux pour me caresser, elles trouvaient plus amusant de courir et de gambader avec un chien. Elles ne savaient pas de jeu auquel on pût jouer avec un pauvre chat aveugle. C'est pourquoi, un soir, que j'étais monté tant bien que mal au grenier en me cognant la tête partout... Je ne suis pas enrhumé, je t'ai senti. Ça n'est pas de jeu. Laissez-moi m'en aller. Tu plaisantes. Je vais te manger, à moins que... À moins que... Je suis aveugle. Si tu veux le devenir à ma place, je te laisserai la vie sauve. En outre, je te donnerai à manger, je te protégerai, je t'emmènerai promener. J'hésite. Surtout, décide en toute liberté. Oui, mais si je dis non, vous me mangerez. Bien entendu. Ah, alors, j'aime encore mieux devenir aveugle. Le chat croira que tu te moques de lui. Je veux savoir si on voit vraiment rien quand on est aveugle. Du nouveau. Mais ici aussi, il y en a du nouveau. Le chat n'est plus aveugle. C'est la souris qui l'est. C'est une bonne petite bête. Je vous la recommande. Sois tranquille, elle ne manquera de rien. Le chat a été très bon. Et voyez ce qui arrive, il en a été récompensé. C'est vrai, le chat a été bon? Oui, enfin. Mais qui c'est qui a dit ça? La souris! Moi, je n'ai rien dit. Et la vie suivit son cours. Mais un certain jour... Mon chien. Mon ancien maître. Neuf fois neuf, ça fait combien? Neuf fois neuf,
Excusez-moi, mesdemoiselles. Nous ne faisons pas la charité aux gens qui peuvent travailler. Oh, tout le monde parle comme vous, mais c'est terrible. Qu'est-ce qui vous empêche de travailler? Bon, une infirmité. Je suis paresseux. Je suis le maître du chien que vous avez recueilli. C'est moi qui lui ai cédé ma cécité. Je m'en repens amèrement. Quand j'étais aveugle, ben, j'avais pas besoin de travailler. Les gens me donnaient à manger, à coucher. C'était le bon temps. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais redemander ma cécité à votre chien. Il l'a repassé au chat. Ah, eh ben je vais la redemander au chat. Il a repassé à une souris. Oui, eh ben, je vais la redemander à la souris. Sais-tu qui est en train de parler avec les petites? Mon ancien maître. Bon comme tu es, ça m'étonne que tu ne lui sautes pas au cou. Je lui en veux du tour qu'il m'a joué. Et puis je suis si bien ici. Ah, tu es encore meilleur que moi, ce n'est pas peu dire. Je suis sûr qu'au fond de ton cœur... Non, je ne sais pas si je suis bon, mais je crois que je suis fidèle. Qu'est-ce que tu veux? On ne se refait pas. Oh, regarde! Ton maître a repris sa cécité à la souris et c'est la souris qui le guide. Je ne vois pas la souris. Elle est si petite, il faut des yeux de chat. Mais une souris ne peut pas guider un homme. Évidemment, c'est risqué. Il a besoin de moi. Pardonne-moi. Adieu. Chien! 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 Il a besoin de moi. Il a besoin de moi.